Première étape du Tour de France 2016, le Mont-Saint-Michel Utah Beach. Une étape qu'on avait destinée surtout aux sprinteurs, une étape très plate. Elle commencera avec deux petites côtes, mais ce sera juste pour se distribuer les points du meilleur grimpeur. Et ensuite, on longera la côte ouest de la Manche, où on pourrait avoir quelques risques de bordure, mais on ne sait pas si les équipes, dès le premier jour, vont vouloir s'engager dans ce genre d'exercice. Ensuite, ce sera beaucoup plus à l'abri, et on pense qu'on se dirigera vers un sprint massif, d'autant plus que les derniers kilomètres sont vraiment propices à ce genre d'exercice.